Cette semaine, Annico vous mijote, beau soleil, tatamagouche, échalote, vinaigre de vin, poivre en grain et Rémi-Pierre Paquin. Il est pareil comme moi, ce petit lapin-là. Drôle, beau, charismatique. Écoute, avec des huîtres, du champagne, on va t'avoir tout un fun. En fait, je joue avec Nico depuis une dizaine d'années au curling. On est dans la même équipe. C'est justement là qu'il a eu son idée de show de cuisine. On pensait que c'était un de ces projets qui ne verrait jamais le jour. Ça y arrive souvent, mais non, finalement, ça marche. Hey, salut Rémi-Pierre. All right. Hey, je suis content que tu sois mon émission. Ben, fait plaisir. Yes, yes. En plus, j'ai vu que c'est des huîtres. J'adore les huîtres. On mange des huîtres. Oyster party. Si je te dis 5 à 7, petit blanc, beau soleil, que c'est qui manque? La plage. Oui, oui. Puis les filles. Ben oui, les filles. Les filles. OK, regarde ça, le beau soleil. Okay. Tout petite, chair ferme, mm-hmm. Beau jus clair. Oui, mais elle est différente, c'est quoi, elle? Oui, ah non, toi, t'as l'œil, mon homme. Toi, t'as la tatamagouche. Tatamagouche? Oui, chair très salée, bien viandeuse. Là. C'est comme si une huître avait eu des triplés. Là. Alors, Rémi-Pierre, mm-hmm. Une huître fraîche doit être bien fermée. Ouais. Des fois, elles sont comme un peu ouvertes comme celle-là. Hein? Ouais, mais ça, quand ça arrive, tu donnes un petit coup dessus. Si elle se referme, c'est bon. Ah, oui. Sinon, tu sens pour... puis tu vas le savoir assez vite. Là. Ouais, parce que ça sent fort maudit. Hein? Et boy, mets-toi pas à gueule là-dedans. OK, alors, on prend l'huître. T'insères le couteau au bout. Hop. OK. Là, t'ouvres l'huître. Yeah! Tu coupes le muscle. Okay. Comme ça. Parfait. Touc. Merci, bonsoir. On passe à une autre. Oyster party. Yeah. Et là, j'en ai une récalcitrante. Je veux rien savoir. Ça va bien. Ouais. Hey, toi, Ren. Yeah. Combien d'huîtres t'as ouvert dans ta vie, à peu près? Des huîtres. Concentre-toi, c'est Étienne. Ah oui, donc, chum, 30, 35, pas 100 toujours. Alors, mon beau taureau, pour pimper nos huîtres, j'ai pensé faire une recette classique. Ah, parfait, j'aime ça straight, moi. Ah oui, t'aimes ça straight. Bang, bang, ça à la table de la cuisine. Qu'est-ce qu'on fait avec ça, là? Ben écoute, poivre en grain, vinaigre de vin rouge, échalote. On va faire une sauce mignonnette. Parfait. On est prêts, tu penses? On prend les huîtres, on met la mignonnette et on déguste Oyster Party. Yeah! All right, Rémi-Pierre, on est rendu à la dégustation. Oui! Yeah! Oyster party! Yeah! Yeah! Alors, on prend la mignonnette et on met ça dans notre huître. Voilà. Et on déguste. C'est vraiment bon avec ça. Oh, c'est bon, hein? Hey, je pense à ça, mon gars. Il me reste une caisse d'huile, du champagne. Appelle une couple de tes amis, là, des amis comédiennes. Des amis comédiennes, on va se faire un esti d'Oyster Party. Tranquille à la maison. Oh, come on, Ram. Oyster Party. Chris, on se voit jamais. On ira prendre une bière après le curling. Ah oui, mais le curling, c'est au mois de janvier, man. C'est ça.